fois de grain de sel. Mais parce que vous êtes des transporteurs comme il faut, parce que finalement il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qui a dit il y a des moyens de transporter à la voile qui va polluer beaucoup moins et qui ne va pas nous empêcher de vendre, qui ne va pas nous empêcher de livrer à l'heure, qui va nous permettre de tout faire et sans polluer. Voilà. Donc quoi de mieux. C'est, voilà, quoi de mieux, hein, 11 fois moins de CO2, vous imaginez? Ça c'est important. C'est parti, dans 3 semaines et demie, le bateau touchera l'autre côté de l'océan. Là, on a déjà un bon vent, là, donc on va souhaiter bon courage, bonne chance à l'équipage. Que le bateau se coupe bien de la cargaison et de l'équipage, et que la mer nous laisse passer gentiment. Conditions de mer un peu solides. L'air bien brouillon avec entre environ 4,50 m 5 m de houle. Ouais. Hop là. Voilà, on vient de traverser un front, on met encore un riz sur la misaine. Un petit résiduel de vent, on produit à bloc avec les éoliennes. Et on est encore à deux riz GV, on va aller relâcher ça là de suite. Sont plutôt cool. Petit coup de résiduel encore. C'est parti pour le déchargement des bains en premier et ensuite pour la fondation. Devant le cacao, il y a toujours une cassava. Le cassava là est planté surtout pour aider le cacao, pour protéger le cacao. D'accord. Parce que le cacao n'aime pas le soleil, il a besoin de 60% de l'ombre pour pousser. Et tu te llamas, comandante? Penaido. Penaido.
¿Y hace cuánto tiempo que trabajas con el cacao? Tengo un promedio ya de como 40 años. Ça arrive. Là, on est en train de décharger la masse de cacao de République Dominicaine de Cherizec. On les pose sur le quai. Il a rajouté une couverture thermique pour les protéger de la chaleur et du transport. Voilà, pour la garder en bonne condition. Et on est sur la combienième transat? Quatrième bout, donc ça fait 8 transats. Deux tours du monde. En distance. Pas mal en 2 ans. Ça y est, Julia, c'est terminé? Ah oui. Ben non, pas tout à fait, parce que on prend les plus à nos cacao. Alias Nao, le matelot du bord. Goulven, le capitaine bien-aimé du bateau, regardez, on fait des canaux sublimes. Élise, le fond du bateau. Julia, lieutenant.